Est-ce que tu fais un oviraptor? Non, j'ai jamais fait d'oviraptor. Non, c'est pour les faire pondre plus vite, c'est ça, un Icorse, hein. Non, j'en ai jamais fait de ça. Non, je les fais reproduire. Les œufs, je mets le mâle à côté et puis je les accouple et j'ai les œufs fécondés. Parce que faut les nourrir les animaux après Nicorse. Hein. Je veux dire que. Oui, c'est fait. Je t'ai dit, je vais t'en donner 38. Oui, bah je vais te les filer dans 2 minutes. Oui, parce que t'allumes le jeu, tu commences, il faut remplir les mangeoires. Alors, non, j'ai pas envie d'avoir trop d'animaux, Nicorse. Bon, après, je ferai un oviraptor parce que je dois tamer tous les animaux. Hein. C'est trop fort? Ah bon, pourquoi c'est trop fort? Explique-nous, Nicorse. Tu tames avec des œufs déjà, ça. Hein. 1 minute 30. Donc je vous explique, hein, j'ai séparé ma viande fraîche en un seul, hein, voilà, divisé entièrement. Et quand ça va pourrir, je vais avoir 38 viandes pourries au lieu d'en avoir qu'une. Tout simplement, hein, c'est comme ça qu'on a de la viande pourrie rapidement. Hein. On divise toute notre viande. Voilà. Donc Patou, bah bientôt elle va le faire. Hein. 135. Ouais. Attends, je vais te donner ça. Hein. Encore 45 secondes. Lui donne pas de coups, sinon t'as tout faux. Je te le mettrai juste derrière toi. Hein. Ouais. Non, j'en ai pas là. Non, je vais te les donner. 20 secondes. Je vais te les balancer derrière toi. Hein. Bah, devant toi. Même. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top! Je. Oh! Voilà, tiens, voilà. C'est du tout bon. Ça y est? Voilà. Bon bah c'est bon, Patou elle aura son bousier aussi. Moi je le prends. Voilà, j'ai pris le bousier. Une fois qu'on l'a, bah faut le prendre à la main, hein. Y a pas de cryo. Hein. On a... Donc si on rencontre du monde là-haut, bah tout faux. Mais bon, Baobab va pouvoir nous ouvrir la route. Donc ça c'est nickel, c'est ça que c'est... Le travail d'équipe, hein, c'est ça. Hein. Parce que si vous mettez une plombe à tamer le bousier, ça attend de repoper. Et puis quand vous remontez, bah c'est pas évident de vous défendre avec les deux mains prises. Hein. Il ramasse passivement tous les œufs proches de lui. Il faut juste lui faire une cage et le mettre en balade. Et il les mange pas les œufs, Nicorse? J'ai 80 œufs de Moshop et 40 de Rex en 3 jours. Ah ouais? Tu savais qu'il ramassait les œufs, l'oviraptor? Il le faisait pas, hein? Ah ouais, d'accord. Lui faire une cage et le mettre en balade. Ah, c'est comme le bousier, tu le mets dans la cage, tu le mets en balade et tu récupères. Comme les achatinas, pareil, tu le mets en cage, en balade et tu récupères le ciment et le polymère. Et le bousier, tu récupères. Ah ouais! Ah, c'est pas mal ça! Ah ouais, 80 œufs de Moshop et 40 de T-Rex. C'est comme le bousier, ouais d'accord Nicorse, j'ai compris, ouais. Ok. Bon, Patou, elle va faire le 135, là, ça y est, hein, il est bientôt fini, encore 3-4 et puis c'est bon. Hein. C'est cool, hein. Comment
m'en taper, tamer deux bousiers donc, hein. Sinon c'est chaud ou pas? Non? Bah j'en prends un autre, hein. Bon, on va attendre que Patou le fasse. On va sortir de la grotte et puis ça va être bon pour ce soir, hein. Une heure déjà, purée, dé. Pour tamer un bousier, une heure de Twitch. Tu peux toujours pas lui donner? Ah ouais? Encore 3 ou 4, hein. quatre-vingt-quatre, cinq, quatre-vingt-neuf, quatre-vingt-quatorze, encore 4. Il est plus long pour lui donner, non? Tiens, je vais t'aider là pour pas qu'il passe. Voilà. Là, il passe pas. Non, tu passeras pas. Y a ton pote qui a essayé de me tuer tout à l'heure. Hein? C'est quoi cette histoire? Donc là, on va pouvoir voir du pétrole. Impeccable. On va lui mettre des crottes-ouilles. Donc je vais faire pondre mon Fiomia. Et je vais lui mettre les crottes dedans. Et je vais pouvoir donc détruire mes... les composteurs, voilà. Voilà, on va pouvoir détruire les composteurs. Parce que le bousier, c'est comme si on avait 5 composteurs. Hein. C'est hyper rapide. Il faut tout mettre dans le poids, hein, je crois. Hein. Ouais, il me semble. Hein. Toutes les compétences qu'il va acquérir, il faut les mettre dans le poids. Et lui mettre le maximum de boost dedans. Voilà. Ah, encore une. Je m'en vais parce que je veux que ça soit toi qui le tame. Hein. Que tu débloques. Voilà, c'est le survivant qui est le plus près de l'animal qui débloque le tamage. Hein. Même si c'est pas tout qui donne à manger, si je suis plus près du bousier, c'est moi qui va prendre le déblocage du tamage. Donc, bah, c'est celui qui donne le nom, hein, normalement. Hein. Après, on te suit, Bao, tu nous ouvres la route, s'il te plaît. Ouais, ouais, je vais vous ouvrir la route. Ok, super, merci, c'est gentil d'être venu, Bao. Super sympa. Oui, parce que j'ai appuyé sur le B. Hein. Et puis, Bao, il m'entend par le Twitch. Voilà, ça y est. Ouais. C'est bon. Et on suit Bao. Hein. Voilà, deux bousiers. Hein. Bon, c'est assez rapide. Hein, ouvrir la route. Ok, Bao. C'est bon, on suit Bao, vas-y. Ouais, c'est bon. On n'a pas d'armes, hein, on n'a plus de vêtements, hein, donc voilà, donc si jamais c'est réapparu ou il y en a là-haut. Bon là ça va, on est bien protégé puisque Bao il a un fusil à pompe mythique. Ouais, et oui, hein, il fait pas de dégâts de 23 lui. Hein. Nous on est vraiment... Ah oui, c'est pas la peine de courir plus vite, on peut pas avec le bousier. On peut pas sprinter avec le bousier dans les mains. Ouais, vas-y, c'est bon, ouais. Voilà, donc là, on remonte sur la gauche. Voilà, par ici. Tu suis... non ? Ah, t'es où, toi ? Ah, t'as, voilà, là, voilà. C'est bon, tout le monde suit ? Ouais, ouais, c'est bon. Par là, attends. Par là. Ah ouais, attends, attends, parce que je... Attends. Ce que je fais sous le champignon, attends. Ouais, t'es où là, attends. Ah voilà, ok. Vas-y, c'est bon. Ouais. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Bon bah c'est bien, hein. C'était comment tamer deux bousiers. On est content, on a notre trophée. Ouais, on a un artefact aussi chacun. Bon bah c'est bien alors, pécham.
Il y a 7 LM devant nous. Il nous amène pour avoir un crédit. Oh, on a plus de ronds, on a plus de vêtements, on a plus de. On a plus que dalle, il faut un chrom. Des SDF, on a juste un bousier à vous proposer, monsieur le banquier. Oh, c'est trop ça. J'avais essayé quelque chose dehors. Ouais, ouais. J'avais entendu un Thérésy, moi, non, c'est bon. Rapport alpha à la sortie. Ok, ça marche. Bon bah nickel, voilà, ça y est, c'est tranquille. Attends, là, il y a les animaux là. Bah oui, j'ai mis ton argent dans la cabane. Hein. Ouais, ouais, non, bah sinon il craignait rien à côté, hein, t'inquiète pas. Non, parce qu'il y avait un Thérésy. Il l'aurait eu. Bah oh, tu vois, pas tout. Ah, moi je suis en Ptera, moi, d'accord. Oh bah c'est bon, nickel, hein. Voilà, donc une fois qu'on a le boubou, on peut le monter sur l'animal, hein, volant ou terrestre, et puis prendre son envol, voilà, et puis rentrer. Bon bah c'est ce que je vais faire. Je vais vous dire au revoir, hein. Merci à tous, hein, voilà, c'était... Bah qu'est-ce qu'on a fait, on a tamé un bousier, on a tamé un quetzal ce week-end, et on a tamé un mammouth. Voilà, un bon week-end, hein, de tamage, c'est génial. Donc là, je vais me pencher sur l'Oviraptor, parce que là, Nikors m'a fait envie avec son Oviraptor. Donc, je vais voir ça. Donc, je te remercie, Baro, hein, de nous avoir rejoints. Et voilà, parce qu'on y serait encore, je pense. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite un très, très bon fin de week-end. Hein. Ouais, ça avance bien, Nikors. Ouais, ouais. Tranquille ou tranquille. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous à vendredi, si tout va bien. Hein, parce que la semaine, ça va être le boulot. Voilà, donc merci à vous tous et rendez-vous donc à vendredi, puis je vais mettre les vidéos donc en ligne. Bonne soirée à tous, bon appétit et ciao ciao bye bye à tous, hein. Merci. Hein. Ciao ciao.